مدينة الإنبعاث. C'est une ville aujourd'hui par les professionnels du surf. Les grands construisent les maisons, ils retournent en énorme chose, mais la deuxième génération, la troisième génération. Le tourisme permet la rencontre, permet, contrairement à ce qu'on dit, les gens se rencontrent dans le tourisme. Bien évidemment, on peut aller dans un lieu complètement fermé, ne rencontrer personne, sauf qu'on rencontre déjà les gens qui travaillent. Hein, à Marmara ou à Club Med, les gens qui travaillent, c'est souvent, ça peut être des gens du coin, dans les Seychelles aussi, dans tous les pays. On rencontre les gens du coin avec qui on discute, avec qui on sympathise. Enfin, je veux dire, voilà. Donc il y a ça qui se joue. Et à mon avis, oui, Agadir, bah, elle est en train de faire ça. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'on se revoie dans 4-5 ans, puis qu'on regarde comment c'est devenu. Mais là, de ce qui vient d'être dit là, par le monsieur du comité d'investissement, il est clair qu'il y a une stratégie forte et servie par, vous avez vu, le nombre d'équipements. Donc ça va faire des centaines de lits en plus. Donc là, je trouve que c'est un lieu, enfin moi personnellement maintenant je vais suivre de près Agadir pour regarder comment les choses évoluent parce que je trouve ça très intéressant. La ville d'Agadir a un très gros potentiel dans ce domaine. Déjà, c'est une ville qui effectivement est encore un terrain vierge, à proprement parler en termes d'image. C'est une ville qui est ouverte 300 jours de soleil. Nous sommes les seuls et uniques producteurs d'argan, donc qui est un produit qui est mondialement reconnu, qui est utilisé dans tous les centres de spa, thalasso dans le monde entier. Nous avons un arrière-pays qui est magnifique. Nous avons donc une plage, une baie la plus belle du monde qui fait 12 km de long. Et aujourd'hui, on assiste à énormément d'implantations de cliniques dans les zones touristiques d'Agadir et qui souhaitent justement développer l'écosystème du tourisme médical. Entre les agences de voyage, la partie hôtelière et les cliniques, nous avons déjà un écosystème qui commence à apparaître. Oui,